C'est super, ça va démarrer. Voilà, je remercie mes producteurs qui m'ont suivi dans ce truc complètement débile. Il faut savoir que ce film a été produit en fonds propres. C'est très rare, c'est comme dans les années 50. Ça se fait plus. Donc c'est, voilà, je vous ai pas forcé. Hein. Non. Voilà. Mais vous l'avez fait ensemble, atelier de production, Shifumi. C'est glorieux, merci beaucoup, parce que ça n'existe plus. Je remercie aussi. Michel Saint-Jean et Diafana que j'ai forcé à sortir le film. Merci. Non, Michel, merci. Merci de me suivre à ce point-là, jusque-là. C'est super. On le sort comme ça. Et Grégoire Melin, qui est là. Donc, j'ai terminé avec les merci. Merci les comédiens, mais ça, bon, c'est plutôt à eux de me remercier en vrai. Non, moi j'ai plus rien à dire, amusez-vous bien, ça va être très dur au premier rang là, je suis désolé pour les premiers rangs, si vous êtes arrivé tard, ça va être un peu, ça va être compliqué, je suis désolé. Bon film, on va aller ouvrir dans l'autre salle, est-ce que Raphaël, un petit mot? On se retrouve après pour boire un verre au Silencio des Prés, voilà, c'est tout, vous avez un petit ticket, c'est ça, on vous a remis un ticket, on va boire des coups. Si tout va bien, et manger. Et je voudrais que Raphaël dise un petit mot, parce que c'est quand même ton film aussi, Raphaël. Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Et bonsoir, plutôt. Moi, juste merci Quentin, merci à juste tous les artistes d'une noblesse infinie qui ont participé à cette œuvre. Ah, c'est bon. Et moi, je veux juste dire que Yannick, moi, j'aime trop ce film et tout. Bon, peut-être allez-vous être hermétique à tout ça, mais vous nous direz à la sortie. Mais parce que Yannick, c'est un artiste, et comme il sommeille des artistes en chacun de nous, et que lui, il l'exprime, il va avoir l'occasion de l'exprimer, d'exprimer ses pulsions artistiques avec sincérité, et que pour moi, en tant que spectateur, mais de tout type d'artiste et tout, que ce soit des chanteurs, des acteurs et tout, ce qui fait la grandeur de l'artiste, c'est l'étroitesse du chemin qui conduit son œuvre à son cœur, ou son cœur à son œuvre. Et plus le chemin est petit, plus c'est goûtu, et c'est cette sincérité-là que j'aime, qui est le message, un des messages de ce film. C'est un des messages, je sais pas, je prends la parole de Quentin et tout, je sais pas si jamais je vais dans une direction aléatoire et douteuse. Mais en tout cas, voilà, c'est juste ça que je voulais dire. Et merci à tous d'être là et bonne projection en espérant que vous allez goûter.